l'épuration, elle est nécessaire d'abord parce qu'il y a un impératif de justice. Il est absolument intolérable, il est absolument insoutenable d'imaginer que le policier qui vous a torturé, que le magistrat qui a envoyé votre mari ou votre père à la mort, puisse se promener tout à fait paisiblement dans les rues de la ville comme si rien ne s'était passé. Au moment de la libération, on commence à voir en France, notamment à la part de Maquis, des exécutions sommaires de miliciens, de gendarmes, de policiers, donc de gens qui luttent de certaine manière contre les résistants, mais aussi on exécute ici ou là des commerçants, des épiciers, des gens qui ne veulent pas collaborer avec la résistance. Bon, il y a déjà un certain nombre de phénomènes qui seront ceux qui marqueront l'épuration dite sauvage. Pour assouvir cette soif de justice, des règlements de compte ont lieu sur tout le territoire. La violence fait rage, et la France est au bord de la guerre civile. C'est une image très forte, parce qu'elle met en scène la population autour. Et bon, c'est loin d'être un mythe, c'est-à-dire que c'est une réalité. Dans tous les départements français, à l'époque, des femmes ont été tondues. Dans des petits villages comme dans les plus grandes villes, il n'y a pas d'exception à ce phénomène. Et sur l'ensemble du territoire, on peut considérer qu'il y a eu à peu près 20 000 femmes qui ont été tondues. Avec le temps, les cheveux repousseront, et le souvenir de leurs fautes s'oubliera bien plus vite que la douleur de celles qui pleurent les êtres chers, victimes des atrocités allemandes. On va s'en prendre à elles parce qu'elles ont collaboré. Et c'est pour ça qu'elles sont tondues et internées, tondues et exécutées, tondues et condamnées lors de procès par la suite. Ce n'est pas à la place, contrairement à ce qu'on a souvent entendu. Mais elles sont tondues parce qu'elles sont femmes. Et donc on va infliger à ces femmes un châtiment supplémentaire que l'on n'inflige pas aux hommes. On va s'en prendre au corps parce qu'on considère qu'elles ont collaboré par le corps. Et donc on va punir ce corps, on va l'épurer en enlevant tout ce qui peut les distinguer du point de vue de la différence des sexes, c'est-à-dire la chevelure qui renvoie à la sexualité, au poil pubien, etc. Quand ces violences perdurent, là, ça commence à devenir un problème. Parce qu'il y a une question de légitimité. Qui peut exécuter? Qui peut tondre? Que faire de cette épuration violente? Est-ce qu'il faut la poursuivre ou non? Il devient nécessaire de canaliser cette violence. C'est la première urgence pour le gouvernement provisoire présidé par le général de Gaulle qui s'installe à Paris à l'automne 1944. L'épuration sort de la rue pour entrer dans les tribunaux. L'épuration judiciaire se met en place. Le général de Gaulle, en lançant la procédure d'épuration, donc en installant les cours de justice, notamment ce qu'on appelle les cours de justice, veut reprendre la main. C'est vraiment l'État qui reprend la main sur les organisations de résistance, sur les maquis, sur les initiatives locales. Monsieur François de Menton, ministre de la Justice, vous parle. Au lendemain de la libération, il n'était pas de tâche plus urgente et plus importante que le châtiment des traîtres et des collaborateurs. Cette œuvre de stricte justice, de moralité supérieure, et de défense patriotique constituait en même temps une préface nécessaire au rassemblement de la nation tout entière pour les tâches immenses de la reconstruction.